Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat-revente. Là, je suis sur les screens depuis hier. Je partage des screens sur Twitter avec des joueurs argent chopés. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de screens. Donc, il y a une cinquantaine, soixantaine de joueurs déjà de vendus. Et ça consiste, regardez, là. Il y en a encore. J'ai quasiment que des. J'ai que des argent dans ma pile. J'ai que des joueurs argent. Et vous voyez 450, 350, 350, 500, 400, 400, 500, 550, 750. Et après, vous voyez, il n'y a que des joueurs argent chopés aux enchères entre 150 et 250. Il y a quelques rares. Mais ils sont, comment dire, rares sur ma pile. Voilà, donc encore un qui vient de partir. La tech marche super bien. Donc je vais une fois juste faire une capture à plat. Et encore une petite capture. Voilà, je partagerai ça sur Twitter. Ça, on va effacer. J'en ai peut-être viré un de trop. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai surenchéri sur des argent. Vous voyez, n'importe quel championnat, n'importe quel joueur, évitez juste les gardiens. On va lister déjà ce que j'ai enchéri là. Voilà, ça fait 3-4 joueurs. Vous voyez, chopé à 150, on fait comparer prix. Là, 500, 500, 750, 350, vous voyez, 350, vous n'êtes pas chier, vous le mettez aussi à 350. Là, on continue, comparer prix, chopé à 250, 1400, 750, 750, 400, voilà, 400, on va aussi le remettre à 400. Ça fait des 100 crédits de bénéfice ou des trucs comme ça. Vous prenez pas la tête, les crédits montent vite, 450, hop là, 400. Lui, nous, comparé prix, 850, 600, 650, toujours 600 le plus bas, 500, 500, on va le mettre à 450. Et voilà, là ça fait déjà plus de 250 crédits de bénéfice. Ensuite, vous virez ce que vous chopez pas et je vais vous montrer comment les choper. Vous voyez, le temps que je vous parle là, on a encore vendu un joueur à 400. Donc vous allez vous mettre là, argent, prix max 200, et vous commencez par première ligue. Et vous regardez, les gardiens on s'en fout, là où il y a déjà une offre. Et vous montez jamais au-dessus de 250. Voilà, ensuite vous continuez. Ligue 1, vous pouvez faire tous les championnats. Les gardiens on s'en fout, là. On enchérit, là on enchérit. Vous les choperez pas tous, hein. Vous choperez une moyenne de 10-20% sur une pile à 50 enchéris. Vous en choperez une dizaine, une quinzaine. Voilà. Riblin, 200. Est-ce que vous ne chopez pas? Vous en foutez. Hein. Calcio. Et là, ça devient intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin, ça devient intéressant dans le sens où je cherche un joueur qu'il faut éviter. Genre, 250, voilà. S'il y en a un à 200, 250, jusqu'à 400 d'achat immédiat, voilà, celui-là, 400, vous enchérissez pas là-dessus. Vous enchérissez pas là-dessus. Là, gardien, on n'enchérit pas, ça, on enchérit. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, ça, pas du tout, 200, 250, ça aussi, et vous continuez, vous changez de championnat. Liga Santander, 250, 150, vous voyez, hop là. Il y a des championnats où il y en a moins, vous voyez, là, on est déjà à la 20e minute. Ensuite, vous continuez, vous faites Russie, c'est un des championnats majeurs. 200,
200. Vous pouvez avoir plusieurs fois le même joueur, hein. C'est pas un souci. Là, il a 450, on n'enchérit pas. Gardien, on n'enchérit pas. Là, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y en a beaucoup plus qui font la tech, mais vous inquiétez pas pour ça. Il y a tellement de joueurs sur le marché qu'il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, donc vous inquiétez pas. Et voilà. Et là, vous revenez. On en a vendu encore entre-temps. Voilà. Vous voyez, Riblin, je sais plus si on l'a listé ensemble. Je me souviens avoir joué listé un joueur de Nantes, de Rennes, mais je sais plus si c'est celui-là. Vous voyez, même si vous ne listez que 400, ça vous fait toujours des bénéfices. Et là, on en a chopé 5 qu'on va prendre. Hop là. Listé, comparé prix. 5 600, 5 000. Oh, c'est quoi ce bordel? À 800. Des fois, vous vous dites, oh, ça monte. Oh, bah ben non. Là, il a 800. On va le lister à 750, juste en dessous du prix du marché. Ça, le nôtre est le moins cher. 400, 500, 400, ouais, 350. Donc, on va le mettre à 400. Et vous ne ferez pas toujours la meilleure affaire du jeu. Mais vous allez souvent faire des petites affaires assez intéressantes. On en a vu à 400, on va le mettre à 350. On l'a chopé à 250, il y en a à 300, c'est pas grave, il partira. On va. Il faut surtout pas s'inquiéter, tout part, tout part, tout part. 550, 450, on l'a vu à 450, on va le mettre à 400. Et voilà. Et en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, j'en ai encore chopé. Et qu'elle vous sera utile. Moi, je vais faire ça que pendant la totie. Je vais faire que ça, que ça, que ça, que ça. Et j'espère que vous allez faire de même. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Ciao, ciao.